Je suis le tout quoi le tout. Il ne comprend pas pourquoi Dieu sur miséricorde permet-il au mangeur de la grande nuit d'accomplir son œuvre capitaliste. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Ibrahim Bagui. Bagui. Sixième sens, l'essence de tout. J'ai dit de prendre. Abonnez-vous, j'ai dit de prendre. Bonjour, messieurs, dames. Bon, aujourd'hui, j'ai un jour pour aller en voyage parce que je ne dis pas le nom de la personne et je fais déplacement un peu. Mais c'est même Côte d'Ivoire là. Donc, et je vous dis ça parce que pourquoi je dis, je n'ai pas dit le nom de la personne qui m'a déplacé parce que comme vous êtes là, vous dites non, moi je ne fais pas des trucs comme ça. Mais il me déplace pourquoi? Et c'est une protection. Et c'est quelqu'un qui est en train de construire. Et il dit, je vais enterrer chien à la maison. Donc, sa fille même qui a vu que j'ai enterré le chien dans la maison. Mais comme l'homme noir est méchant, et quand on m'a appelé, il dit non, il ne faut pas qu'il va toucher. Parce que nous, on a beaucoup vu. Mais comme les gens, il y a des gens qui ne croient pas des choses, j'ai dit, moi, je viens et je vais déterrer ça. Donc, je vous dis toujours que vous, déjà, mais tu as des moyens, avec ceux qui n'ont pas de moyens, et il sait que tu sors en recherche, essaie de faire la protection de tout à l'envoyer. Essaie de faire la protection de tout à l'envoyer, parce que si tu n'as pas fait ça, et ton ennemi va te tuer cadeau, avec ce qu'il ne peut pas, il va te faire du mal, et il y a des choses qu'il peut pas prendre, il va te détruire. Cadeau. Parce que pourquoi? Ce qui n'est pas pour toi là, si tu as tué là, ce qui n'est pas pour lui, il ne peut pas prendre. Il ne peut pas prendre. Mais comme nous, l'Africain, quand on gagne l'argent, et tout ce qu'on nous dit, on ne croit pas. Et quand on connaît le papier, nous, ce qu'on dit, on ne croit pas. Un bois aussi tombe dans l'eau là, il ne peut pas changer de calibre. Le blanc même vient derrière nous, en plus fort, un Africain. Le blanc croit et ce qu'on fait. Vous qui êtes noir là, vous ne croyez pas. À ce moment-là, vous voyez ce qui nous arrive. Parce que quand tu ne crois pas, tu vois des gens, on dit il a eu l'argent. Mais demain, on dit il est tombé. Il a eu l'argent, il est tombé. Mais on n'a qu'à attendre qu'il est pauvre, mais demain il a l'argent. C'est bien. Quand on dit quelqu'un est pauvre, et demain, on parle, on dit il a l'argent, lui là il a l'argent. C'est mieux par rapport, et il a eu l'argent, et on dit il est tombé. Quand c'est comme ça là, tu ne dues pas, et tu peux mourir facilement. Avec quelqu'un qui a attrapé des millions et des milliards, même si quelqu'un vient te donner 500 000, c'est comme tu n'as rien eu. Et quelqu'un qui n'a jamais eu aussi, quand il gagne 500 000, il peut se baser dessus pour le suivre. C'est pour ça que je vous dis que protégez-vous. Et quand tu te protèges là, demain, même si tu as eu 5 francs, ça peut devenir 10 francs. Et si tu n'es pas protégé, ton million que tu as eu là, tu vas prendre pour te soigner. Avec ton propre ami ou bien ton propre frère, tu vas te noyer. Je vous donne un exemple. Pourquoi nous, Africains, quand on construit la maison, on fait le clôture? C'est le mauvais gens. Le blanc, quand il construit, il ne fait pas le clôture. Si il a fait le clôture de la grille, en ça il fait, et puis quand il passe, tu vois la maison qui est là-bas. Mais nous, les Africains, et si le clôture n'est pas dépassé la maison même, c'est comme on n'est pas construit. Parce qu'on ne se fait pas confiance à notre ennemi.
On a beaucoup d'ennemis. Donc quand tu construis, on sait que tu as l'argent, il faut que le clôture dépasse la maison que tu as construite. Quand on ne voit pas le toit là, on sait que là tu peux dormir tranquille. Et quand tu finis de construire, et tu finis de faire le clôture, et tu mets le portail, tu mets gardien encore. Mais le blanc ne fait pas ça. Le blanc va voir les milliards, et tu vas voir qu'ils sont en train de se promener avec les pauvres. Parce qu'ils ne sont pas comme nous. C'est pourquoi je vous dis toujours que protégez-vous, et protégez-vous, et faire tout à la voyelle. Quand quelqu'un passe à côté mauvais, et puis il dit bon, il va faire, il ne faut pas qu'il va avoir l'argent, il va faire, il ne faut pas qu'il va avoir travail, et il va faire son travail, qu'il travaille, il n'a qu'à, on n'a qu'à l'envoyer, et il va faire, il n'a qu'à mourir, ou bien il va détruire, il va avoir, il va devenir fou, et tout ce qu'il va penser, comme toi, quand il va dormir la nuit, la manière qu'il va penser à toi, et il va se préparer pour aller faire derrière un féticheur, ou un marabout, un combien, pour venir te lancer un sort, et tout ce qu'il va penser, et ça retourne contre lui. C'est là qu'on appelle retour à la voyelle et protection à vie. Mais comme vous ne savez pas, si je n'ai pas essayé de détailler, vous pensez que je suis en train de parler de cadeau. Parce que quand tu, même, ce n'est pas forcément que tu gagnes l'argent d'abord avant de te protéger. Parce que quand Dieu va te donner l'argent, il va te donner la chance, tu ne sais pas à quel jour. Il y a des gens qui commencent à travailler quand ils vont voir leur appel là. L'appel là en blanc pour payer ce cœur. Il y a des gens qui travaillent, quand ils vont avoir leur appel, ils économisent du corps, ils construisent. Et l'ouverture de la maison, c'est le corps. Ils vont prendre le produit de la maison. C'est ça qui est l'ouverture de la maison. Donc c'est tout cela qu'ils voient, ils disent, ouais, essayez de vous protéger. Faut pas que cela vous arrive. Faut pas que cela vous arrive. C'est pourquoi ils disent protéger et faire retour à la moyenne. Et quand quelqu'un te connaît, c'est bon. Parce que c'est pas tout le monde. Tu peux avoir travail, c'est pas tout le monde qui peut avoir l'argent, et c'est pas tout le monde qui peut connaître le papier, c'est pas tout le monde aussi, Dieu aussi, le crée et créer bien et joli garçon ou bien jolie femme. Donc, essayez de vous protéger. C'est un genre, il vous dit toujours, un bois, on connaît dans la journée, on en est au record de la nuit. Et vous pouvez prendre le numéro sur le 07 07 78 93 90 et 05 05 87 57 59. Ou le 01-03-04-49-03. Donc voilà mon numéro. Si vous n'avez pas pris, au moment où vous allez savoir que le repère vient et nos frères finissent de manger. Je vous remercie beaucoup. Je dis,